Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo. C'est en tag Sisters. On va commencer tout de suite avec la question 1. Si tu devrais te marier avec une célébrité, qui ça serait? Brad Pitt. Mais j'allais le dire. Non. Si. Bref, tu choisis Brad Pitt et choisis Brad Pitt, donc les deux. Non, ok, c'est bon, je choisis Jackie Chan. Hein. C'est bon. Ok, en plus, tu le ressembles. Je n'ai pas de doute. Arrête. Bref. Alors, 2. Si tu pouvais être une célébrité, qui ça serait-elle? Hôpital. Moi, en fait, j'ai choisi Maddie Ziegler. Donc, si vous savez pas c'est qui, je vous mettrai son nom en barre d'infos. C'est la caméra. En barre d'infos. Et vous pourrez voir tout de suite. Elle a mis son gros doigt devant la caméra. Bref. 3. Si tu devais choisir une chose à moi et t'en débarrasser. Tes vêtements, il y en a beaucoup trop. Elle a 2 étages et même des fois les 2 étages, ça lui suffit même pas. Mais bon, moi j'ai de quoi m'habiller. Hein. Mais le pire, c'est qu'elle met toujours les mêmes habits après. Quoi? Elle choisit jamais. Ah, je vais choisir ci avec ci, ci avec ci. Par exemple, elle choisit une tenue et après, par exemple, elle a. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Non, mais t'inquiète pas. Mais genre, elle a mis par exemple le lundi. Après, mardi, elle en change une autre. Mais genre, en fait, c'est toujours en fait les mêmes tenues. Elle varie jamais. Enfin, je sais pas si vous avez compris, si vous avez une soeur comme ça, vous comprendrez. Allez. Alors moi, ce que je déteste chez toi, m'en débarrasser à tout prix, tes affaires de cours. Il y en a pas beaucoup, arrête. Ah que si, je trouve tes fiches de cours par terre. Et tu peux même... 3-4 cahiers, 2 classeurs. Ah et... c'est ça, fallait que je vous montre. Hein. Bref, passons. Troisième. Ok. 4. Ah 4. Non. 3. Non, 4. Ah oui, 4. Quelle est la phrase que tu répètes le plus souvent? C'est J'en ai pas. Ben moi aussi en fait j'en ai pas trop. Alors 5. Quels sont les gros mots que tu dis le plus souvent? Ta gueule. Voilà. Ah moi aussi c'est toujours ça. Mais voilà, on n'en dit pas trop devant nos parents parce qu'ils sont pas trop d'accord en fait. Bref. Passons. 6. Quel est son ultime film préféré? T'en as parlé français. Bref, ultime film préféré. Alors moi, c'est The Creeper. C'est un film d'horreur que j'ai trop adoré. Ah, je le kiffe. Ouais, en fait, c'est un film d'horreur, mais en fait, il fait pas vraiment peur. En fait, c'est la réalité, en fait, elle est genre vieille. Enfin, il a été... Film de vieux. Il a été créé, je crois, en 2000. Enfin, mais il est genre juste trop, trop bien. Mais regardez le 2. Parce qu'en fait, le 1, je pense pas que vous allez le trouver, parce que moi, je l'ai pas trouvé. Ouais. Donc, on a regardé le 2. Ça s'appelle The Creeper. On vous le mettra tout ça en barre d'infos. Tous les infos. Au pire, je vous l'afficherai là. Au pire. Bref. Allez. Ça dépend. Et moi, c'est Il était une fois. Donc, c'est un film, en fait. Le début, il commence avec un dessin animé. Après, ça devient un film. Il est juste trop bien. Bref. Passons. Ah, tu regardes des films de bébé. Bref. Non, mais... 7. Une météorite frappe la Terre, on a sauvé nos familles, nos animaux. Qu'est-ce que tu retournerais chercher? La bouffe. La bouffe, c'est ma vie, la bouffe. Moi, j'irais chercher mes habits. Sinon, tu... Mais t'es déjà sorti habillée, hein. Oui, mais après, si tu te salis, on sait jamais. Bref, moi, c'est la bouffe. 8. Ah, non. Quoi? Mes papiers d'identité. Comme ça, je pourrais y aller autre part et vous laisser tout seul. Allez. La bouffe, non. Bref. 8. Combien d'années de séparation y a-t-il entre vous? Ouch. Alors, il y a 2 ans. Ouais. Voilà. 2 ans. Il y avait normalement... quel âge avez-vous entre vous? Non, on ne le dira pas. C'est secret. Ouais, très secret. Non, c'est bon, c'est bon. 9. Êtes-vous prête à tout pour votre sœur? Non. Ça dépend. Non. Ouais, bref. Non, je rigole. Sais qu'au fond d'elle, c'est oui. Oui, ma petite sœur chérie. Oui, petite sœur? Oui, ma petite sœur chérie. Je suis ta grande sœur, donc... Bref, allez, passons. Bref. 10. Quels sont les... Arrête! Quoi? Meilleur? Pousse-toi. 8. Ah, quels sont les meilleurs moments passés? Introducteur, la meuf, là, elle va nous regarder. Bref. Nos meilleurs moments passés ensemble. Alors. C'était en vacances en fait quand on se foutait la gueule des gens, c'était juste trop bien. Ah, pardon. C'était juste trop bien en fait. On se foutait de la gueule des gens. C'était juste trop bien. Ouais. On se tapait trop de délire. Ouais. Bref. On continue. Non, mais c'est à moi de lire. Ok.
Êtes-vous très différente style caractère? On est vraiment très, mais très, très différente à un point incroyable. Elle s'habille plutôt des années 1990. Moi, tu vois, je m'appelle. Arrête de dire n'importe quoi! Et moi, je m'habille plutôt, t'as vu, année 2000. Attendez, 2020. Je vais vous montrer comment je suis habillée. Moi, je m'habille comme une. Tu veux que je montre? T'as pas intérêt. Parce que je suis en pyjama là, c'est pas un style. Bref. Bon, elle a un style assez spécial. Moi, tu vois, j'ai un style plutôt jeans, style. un style post-caca. Okay. Bref, à la what again. On est à où? Quel est votre style de musique préféré? Waouh! R&B. R&B et rap. On parle longtemps, mais t'as fait des petites amies. Waouh! Bref. Quel est votre chanteur préféré? Allez. Bon, moi en fait, c'est un petit peu violent en fait sans rap. C'est Jul. Ouais, non, mais c'est rigole. Nouvelle. C'est pas vraiment très violent, mais bon, c'est genre j'aime trop juste ces musiques. Mais pas tout hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment très démodées, très pourries. Ouais, les nouvelles quoi, elles qui sortent maintenant. Comme Chiquita, t'as vu? Bref, on vous fera. On vous mettra de son bras d'appel. Allez, et toi? Bah, c'est Jul aussi. Okay. En rap, hein. Quelle est la chose, que vous aimez faire ensemble? Se battre. Non, ça c'est plutôt avec mon petit frère. Mais en fait, on se dispute assez souvent en fait, pour juste n'importe quoi. Après, en fait, ça gâche la journée, donc à cause d'elle, t'as vu. Ah ouais, hier, c'était à cause du cuisse de poulet, parce qu'en fait, je voulais la cuisse de poulet et pas les ailes. Voilà. Ouais. C'était ça. Ouais. Votre métier de rêve? Ah, moi, c'est de travailler au zoo, voilà. Non, moi, c'est de devenir célèbre avec plein d'argent. Et après, je te squatterai. Je t'harcèlerai chaque jour. Quel est votre animal préféré? Le chien. Le chien. Le chien. Le chien. Non, dégage. Alors, quelle est votre émission préférée et film? Ah, Dance Moms. Non, toi, t'aimes pas, c'est moi qui aime. Si, j'aime. En plus, là, il est quelle heure? Je te jure, là, il y a Dance Moms qui commence. C'est bon, tu continues la vidéo. Bref, c'est Dance Moms. Et le film, c'est quoi? The Creeper, voilà. Non, moi, c'est pas The Creeper. Moi, c'est Il était une fois. Et elle a dit à nous deux, donc on doit choisir. Comme ça, à nous deux. Genre, le film préféré à nous deux, quoi. Ah! Ben, nous, c'est Dance Moms, hein. Sinon, y a pas... C'est une série, c'est pas un film. C'est une série, en fait, mais c'est juste trop bien. Mais en fait, si vous avez... C'est de la télé-réalité, hein. Ouais, en fait, c'est pas du tout vrai, mais en fait, c'est une série... Ah, mais c'est un truc américain, mais en fait... Sur TVA, ça mais commence! Et genre, en fait, c'est un truc américain, mais en fait, il y a la voix française. Et si vous avez pas suivi, en fait, la saison 1, vous pouvez pas savoir, donc c'est... arrête. Donc c'est pas trop rigolo. Donc si vous là c'est la saison 5, donc vous pouvez toujours suivre, mais pas trop bien. Mais regardez les autres séries dans. Mais gars, je suis en train de tricher. Oui, mais vite, tu parles trop. On mettra tout ça en barre de fond parce qu'il y a des moments qui commencent. Allez, ciao, bisous. Non.